joyau, cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, vous ne trouvez pas? J'adore les balcons comme ça. Je trouve ça magnifique. En 1908, l'un des plus grands sculpteurs français est tombé amoureux de cet endroit. Et on le comprend parce que quand on voit 3 hectares comme ça de jardin en plein cœur de Paris, c'est plutôt rare. Mais il y a aussi la paix qui est agréable ici, il y a l'espace. C'était donc la demeure d'Auguste Rodin. Quand je vous dis Rodin, à quoi vous pensez? Quand je vois Rodin, je pense plutôt aux émotions très crues et l'expression assez excessive de ces émotions. Je pense aux envies basiques de l'homme, je pense aux passions d'un homme. On va aller le voir tout à l'heure, caché derrière ces buissons, il y a l'une des sculptures les plus célèbres au monde, le penseur de Rodin. Il a l'air de faire face à un profond dilemme. Est-ce qu'il vous arrive, vous, souvent, de douter? Je vous pose la question parce que vous avez quand même l'air assez déterminé. Je ne suis que des doutes. Toujours quand je dis une phrase, comme un constat, comme si j'étais sûre de ça, et après, quoique, j'ajoute toujours ça. Donc ma sœur, elle m'appelle en géorgien, Tuntsa, quoique. Bonjour Katia Buniatishvili, vous êtes l'une des pianistes les plus douées de votre génération, sollicitée dans le monde entier à la une des plus grands magazines. Derrière votre piano, vous êtes volcanique, puissante, charnelle, ce qui fascine, ce qui agace aussi parfois. On va parler dans cette émission de votre tempérament de feu, de votre dernier album consacré à Schubert. Mais avant, on va aller découvrir quelques trésors signés Rodin. Absolument. Je me sens un peu gênée avec autant de compliments. Après avoir flâné dans le vaste jardin pour contempler certaines créations majeures du maître, on pénètre dans l'hôtel Biron, où les œuvres de Rodin dialoguent avec celles des peintres qu'il aimait comme Van Gogh, Renoir ou encore Monet, et les sculptures, bien sûr, de sa muse, Camille Claudel. Rodin casse tous les codes de l'époque. Comment est-ce que c'est perçu? Évidemment, mal. La vie de Rodin, ce sont des scandales, tout le temps. Vous voyez l'histoire de l'âge des reins. Cet homme est beau, il est complètement inspiré par la tradition classique. On pourrait croire que c'est Michel-Ange qui l'a fait. On sent toute l'influence de l'Italie. Et en fait, pour montrer à quel point il y avait de la jalousie, il est trop beau. Donc on va accuser Rodin de l'avoir moulé directement sur un modèle. Et donc de ne pas l'avoir fait. Alors que ce qui fait la force de Rodin, c'est justement la qualité de ce modelé. Il y a une émotion qui va vers le haut, juste à l'expression du visage qui est toujours vers le haut, vers la lumière. Et ça, c'est magnifiquement fait, je trouve. Et voilà le baiser. Ouais. Voilà. Ce qui est horrible à dire, c'est que c'est une histoire d'un amour impur. Parce que Paolo et Francesca sont beaux-frères et belles-sœurs et donc ne doivent pas s'embrasser comme des amants. Et Rodin a sublimé cet amour en disant « Quand il y a l'amour, il y a toujours un instant de pureté ». L'homme qui marche, la sculpture qui fait beaucoup parler d'elle et puis qui propulse Rodin dans le XXe siècle, c'est ça? Ah oui, vraiment. Vous voyez, depuis l'âge des reins, le chemin qui a été parcouru, parce que là, on est plus dans l'idée d'une représentation. C'est plus un personnage, il n'a plus de bras, il n'a plus de tête. Ça sert à concentrer la vision sur les jambes qui sont denses, qui sont musclées, qui impriment la vie. C'est là, c'est présent, il est vivant, il est vrai, il est authentique. Et le reste n'a plus tellement d'importance. Ça qui est vraiment fascinant quand on entre dans cette pièce, c'est que c'est tellement présent, ça nous prend complètement. Camille Claudel, c'était son élève, sa muse, sa maîtresse. Ils avaient une relation très tumultueuse. Une artiste avec beaucoup de talent, mais avec une vie qui va être une vie aussi de destruction. Je crois que vous avez une passion pour cette œuvre. Oui, ça m'a tellement impressionnée, bouleversée quand j'avais 14 ans, parce que pour moi, ça représentait l'amour idéal. Deux artistes qui s'admirent, qui se voient, qui se touchent, qui s'aiment, qui se détestent. Est-ce que la valse correspond à l'amour, à l'enlacement, à une étreinte comme celle-ci? Tout à fait, parce que ça tourne au rond. En deux, trois, en deux, trois, on a l'impression d'être dans un cercle. En fait, finalement, l'amour, c'est l'envie que ça soit parfait, que ça s'arrête jamais, que ça soit perpétuel. Katia, un nouvel album consacré à Schubert. Pourquoi Schubert après Rachmaninoff? Tout simplement parce que je pense que dans la musique, je cherche un petit peu d'arrêter le temps. Et Schubert nous permet, avec sa musique, avec sa personnalité musicale et son état d'âme dans sa musique, nous permet de ralentir le temps, même arrêter le temps et apprécier plus les nuances du quotidien, la beauté des nuances du quotidien et aussi connaître un peu mieux, savoir l'art de la patience. Un mot de la couverture, on vous voit allongé, à fleur d'eau, ça fait référence à quoi ? Ça fait référence à Schubert, à sa musique et mon imagination, mon ressenti pour sa musique. Dans sa musique, en général, il y a beaucoup de féminité, beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de justement apprécier la beauté plutôt faible, disons, chez un être humain et dans la nature et en général dans tout ce qu'on voit, l'amour, parce que vulnérabilité, l'amour, ça passe bien ensemble. Et cette partie est très présente dans sa musique. En même temps, ça coule avec la fleuve qui coule tranquillement. Avant Schubert, il y a eu un album et une grande tournée consacrée à Rachmaninoff. Souvent, ce sont les hommes qui se sont emparés du répertoire de Rachmaninoff, répertoire souvent qualifié de viril. Vous, comment est-ce que vous l'avez abordé? Avec beaucoup d'amour et beaucoup de compréhension aussi de la difficulté. Souvent, on parle que la difficulté dans cette musique, c'est plutôt technique. Donc, quand on dit musique virile, on parle qu'on a besoin d'une puissance physique aussi pour pouvoir aborder et vraiment surmonter les difficultés. Et ce qui est difficile chez Rachmaninoff, c'est que plus on entend les voix, plus on a sens de la polyphonie, plus nos oreilles sont évoluées, plus ça rend la musique plus difficile à jouer. Vous faites le tour de la planète toute l'année, entre 100 et 130 concerts par an, mais vous avez choisi de poser vos valises à Paris. Pourquoi Paris ? Parce que j'aime Paris. Vous avez compris que je fais mes choix par amour, souvent. On peut trouver la liberté artistique. Et en même temps, on est inspiré par la beauté autour. Et il ne faut pas oublier ça. Parce que pour l'œil, quand même, la beauté esthétique qui raconte quelque chose et qui a une certaine profondeur, ça nous touche et ça nous inspire. Mais en même temps, la France est un pays qui n'est pas seulement beau, et qui n'est pas seulement beau à contempler et découvrir... pour contenter notre curiosité intellectuelle, il y a aussi droit de l'homme qui est essentiel, je pense. Donc, mélange des deux, pour moi, c'est un mélange parfait. D'ailleurs, vous avez demandé la nationalité française et vous venez de l'obtenir. Oui. Donc, j'ai double nationalité, ce qui est magnifique, ce n'est pas possible d'avoir dans tous les pays. En France, on peut avoir double nationalité, ce qui est magnifique, parce que ça nous permet d'aimer le pays dans lequel on habite par le choix. Parce qu'on veut vivre ici, en même temps ne pas oublier ses racines et d'avoir les contacts avec nos racines aussi. La Russie, vous refusez toujours d'y jouer? Oui. Je souligne toujours, c'est très important de dire, c'est que j'aime la Russie, j'ai des amis russes et j'ai mes collègues russes avec qui je joue presque quotidiennement sur scène. Ça peut être des musiciens de la musique de chambre ou des chefs d'orchestre. Mais il faut bien faire un geste de proteste pour montrer qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le problème s'appelle l'occupation. En même temps, c'est très douloureux pour moi parce que je rencontre quand je voyage beaucoup de Russes qui me disent « mais pour nous, il faut venir en Russie. Nous, on n'a rien fait, c'est pas nous ». Et je dis absolument, c'est très important qu'on garde ce lien qui est lien humain parce que ça n'a rien à voir avec les nations, ça a à voir avec les ambitions politiques qui sont certaines fois plus importantes pour certains politiciens, plus importants que les êtres humains. Et c'est très important de, quelque part, pouvoir faire un geste de proteste. C'est juste un geste de proteste que la Géorgie est partiellement occupée. Katia, vous avez un style qui dénote dans l'univers du classique. Derrière votre piano, vous vous autorisez tout, toutes les attitudes, toutes les émotions, toutes les tenues aussi. Alors ça plaît ou ça déplaît. Chez les puristes, il y a quelques détracteurs qui vous reprochent d'en faire trop ou d'être trop sexy. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je pense que dans les pays démocratiques, d'être sexy ne doit pas être une barrière, ni détester, ni critiquer, ni limiter. C'est notre expression. Et souvent, d'être sexy ou sensuel, ça n'a rien à voir avec les vêtements. Les vêtements, c'est ça a lien avec la exposition des émotions. C'est ça qui rend, je pense, la femme la plus sexy et la plus sensuelle. Donc, je suis complètement, oui, exposée et vulnérable sur scène, pas parce que j'ai une jolie robe, mais parce que, émotionnellement, je ne cache rien et je donne tout. Mais ils veulent dire que c'est à cause des robes, et c'est faux. En tout cas, dans ce monde si feutré du classique, vous fascinez. Vous avez souvent fait la une des magazines glamour. Qu'est-ce que vous pensez de vos surnoms? La Betty Boop du piano, la pop star du classique. Pourquoi pas? Moi, je suis ce que je suis. Et je sais très bien ce que je suis. Mais j'aime quand il y a une discussion et j'aime quand il y a l'interprétation dans les yeux des autres de soi. Parce que je crois que c'est ça la liberté. Quand je joue la musique, j'ai une certaine fantaisie de ce que je joue. Mais j'aimerais que les individus qui sont dans la salle, je ne veux pas dire une public général, mais chaque individu qui est dans la salle doit avoir son interprétation et sa lecture de ce que je fais. L'important, c'est que je ne me perds pas moi-même, c'est que je sache ce que j'ai envie de faire. Et ce que je reste moi-même, c'est pas parce que mon ego est important ou pas parce que moi je suis importante, pas du tout. C'est juste humainement pour ne pas se perdre. Dans son Paris des Arts, Katia a tenu à nous présenter le violoniste israélien Ivry Gitlis. Virtuose mondialement reconnu, il a joué en soliste avec les plus prestigieuses formations et sous la direction des plus grands chefs d'orchestre. Très impliqué dans la démocratisation de la musique, notamment auprès des enfants et grand défenseur du processus de paix israélo-palestinien, il a choisi de vivre à Paris et nous accueille chez lui. Ivry, vous avez donné des centaines de concerts. Est-ce qu'il y en a un, deux ou trois qui vous ont marqué en particulier? Oui, il y avait un ou deux ou trois qui m'ont marqué en particulier. C'était le concert que je n'ai pas fait encore. Non, mais je me souviens la première fois quand j'ai écouté Sibelius Concerto, on a l'impression que c'est l'interprétation, qu'il n'y avait pas avant ou après. C'est quand même le violoniste en fait. Pour moi, c'est une interprétation qui m'a... Le premier thème qu'il joue dans ses concertos, dans Sibelius, où c'est une fragilité totale, mais en même temps une force intérieure qui prend tout, tout l'univers. J'ai jamais entendu ça, c'est unique et je pense que c'est un génie. Et c'est mon interprète préféré de tous les temps, en fait. Vous avez déjà joué ensemble, tous les deux, avec Katia? On a joué, mais pas assez. C'est vrai. Mais de toute façon, ça ne sera jamais assez. Katia, c'est un phénomène, c'est de toute façon, on est bon. Mais il y a chez Katia un mélange tellement... En vérité, d'où elle vient déjà. C'est un tel crossroad, comment dire... un croisement de chemin de tellement de civilisations, du nord, du sud, de l'est, de l'orient. C'est vrai, c'est extraordinaire. Katia, elle commence de temps en temps à... faire quelques incursions hors classique. Vous en avez fait plusieurs. Vous avez joué avec les Beatles, vous avez joué avec les Rolling Stones. Quels souvenirs vous en gardez? Mais écoutez, c'est même pas une question de souvenirs. C'était une partie de ma vie. C'était pour moi naturel, dans un sens. Et on est devenus des amis. Ivry, est-ce qu'on peut juste voir votre violon, parce que ce n'est pas n'importe quel violon? Et voilà. Ah ouais. Il est né en 1713. 1713? Ouais. Il a été fait par un monsieur qui était assez connu comme luthier. Il s'appelait Stradivarius. Ah, il est magnifique, il est sublime. Et vous avez joué toute votre vie sur ce violon? Non, pas toute ma vie, mais la plus grande partie de ma vie, oui. Et c'est l'heure, à présent, de soumettre Katia aux questions des internautes. Je n'ai pas choisi, il était là, à la maison. Comme ma famille, mon père, ma mère, ma sœur, le piano était là aussi quand j'étais née. Je vis le moment présent complètement et c'est là que toute l'énergie et toutes les émotions sortent aussi ouvertement. Embrasser les gens. J'ai besoin de l'intimité et des émotions chaudes et humaines. Oui, mais je suis timide de le montrer. Merci Katia, merci pour cette émission si généreuse. Vous pouvez bien sûr retrouver le Paris des Arts consacré à Katia sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, l'émission se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci.